The Book of Mormon, bilingual audiobook, 1 Nephi chapter 1, English and French. Le Livre de Mormon, livre audio bilingue, 1 Nephi chapitre 1, anglais et français. English read by Glenn Maxwell. Français lu par Glenn Maxwell. Vocabulary list, liste de vocabulaire. God, Dieu, Lord, Seigneur, Book, Livre, Spirit, Esprit. An account of Lehi and his wife Sariah and his four sons being called, beginning at the eldest, Laman, Lemuel, Sam, and Nephi. The Lord warns Lehi to depart out of the land of Jerusalem, because he prophesieth unto the people concerning their iniquity, and they seek to destroy his life. He taketh 3 days' journey into the wilderness with his family. Nephi taketh his brethren, and returneth to the land of Jerusalem, after the records of the Jews. The account of their sufferings. They take the daughters of Ishmael to wife. They take their families and depart into the wilderness. Their sufferings and afflictions in the wilderness. The course of their travels. They come to the large waters. Nephi's brethren rebel against him. He confoundeth them and buildeth a ship. They call the name of the place Bountiful. They cross the large waters into the promised land and so forth. This is according to the account of Nephi, or in other words, I, Nephi, wrote this record. Histoire de Lehi, de son épouse Sariah et de ses quatre fils, appelés en commençant par l'aîné, Laman, Lemuel, Sam et Nephi. Le Seigneur avertit Lehi qu'il doit quitter le pays de Jérusalem parce qu'il prophétise au peuple concernant son iniquité et que celui-ci cherche à lui ôter la vie. Il voyage pendant 3 jours dans le désert avec sa famille. Nephi amène ses frères et retourne au pays de Jérusalem pour aller chercher les annas des Juifs. Récit de leur souffrance. Ils prennent d'épouse les filles d'Ismaël, ils prennent leur famille et partent dans le désert. Leurs souffrances et leurs afflictions dans le désert. Du roulement de leur voyage, ils arrivent aux grands eaux. Les frères de Nephi se rebellent contre lui. Ils le confondent et construisent un bateau. Ils donnent un lieu de nom d'abondance. Ils traversent les grands eaux et entrent dans la terre de promise, et ainsi de suite. Ceci est de près le récit de Nephi, ou en d'autres termes, moi, Nephi. J'ai écrit ces annales. Chapter 1. Nephi begins the record of his people. Lehi sees in vision a pillar of fire and reads from a book of prophecy. He praises God, foretells the coming of the Messiah, and prophesies the destruction of Jerusalem. He is persecuted by the Jews. About 600 BC. Chapitre 1. Nephi commence les annales de son peuple. Lehi voit en vision une colonne de feu et lit dans un livre de prophétie. Il lui Dieu, prédit la venue des Messies et prophétise la destruction de Jérusalem. Il est persécuté par les Juifs, vers 600 ans avant Jésus-Christ. I, Nephi, having been born of goodly parents, therefore I was taught somewhat in all the learning of my father, and having seen many afflictions in the course of my days, nevertheless, having been highly favored of the Lord in all my days, yea, having a great knowledge of the goodness and mysteries of God, therefore I make a record of my proceedings in my days. Moi, Nephi, étant né de bons parents, je fus pour cette raison instruit quelque peu dans toute la science de mon père. Et ayant vu beaucoup d'afflictions au cours de ma vie, ayant néanmoins reçu des grands faveurs du Seigneur toute ma vie, lui ayant eu une grande connaissance de la bonté et des mystères de Dieu, pour cette raison, je fais les annales des actes de ma vie. Yea, I make a record in the language of my father, which consists of the learning of the Jews and the language of the Egyptians. Oui, j'ai fait des années dans la langue de mon père, consistant en la science des Juifs et la langue des Égyptiens. And I know that the record which I make is true, and I make it with mine own hand, and I make it according to my knowledge. Et je sais que les années que je fais sont vraies, et je les fais de ma propre main, et je les fais selon ma connaissance. For it came to pass in the commencement of the first year of the reign of Zedekiah, king of Judah, my father Lehi having dwelt at Jerusalem in all of his days, and in that same year that came many prophets prophesying unto the people that they must repent, or the great city Jerusalem must be destroyed. Car il arriva au commencement de la première année du règne de Sédécias, roi de Juda, mon père Lehi ayant demeuré toute sa vie à Jérusalem, il arriva que cette même année, il vint beaucoup de prophètes, prophétisant au peuple qui devait se repentir. Sinon, le grand vieux de Jérusalem serait détruite. Wherefore it came to pass that my father Lehi, as he went forth, prayed unto the Lord, yea, even with all of his heart in behalf of his people.
C'est pourquoi il arriva que mon père Lehi, tandis qu'il était en chemin, pria le Seigneur, lui-même de tout son cœur, en faveur de son peuple. And it came to pass, as he prayed unto the Lord, there came a pillar of fire, and dwelt upon a rock before him. And he saw and heard much. And because of the things which he saw and heard, he did quake and tremble exceedingly. Et il arriva que, tandis qu'il priait le Seigneur, une colonne de feu vint reposer sur un rocher devant lui. Et il vit et entendit beaucoup de choses, et à cause des choses qu'il vit et entendit, et frémit et trembla extrêmement. And it came to pass that he returned to his own house at Jerusalem, and he cast himself upon his bed, being overcome with the Spirit, and the things which he had seen. Et il arriva qu'il retourna vers sa maison à Jérusalem, et se jeta sur son lit, accablé par l'Esprit et par les choses qu'il avait vues. And being thus overcome with the Spirit, he was carried away in a vision, even that he saw the heavens open, and he thought he saw God sitting upon his throne, surrounded with numberless concourses of angels, in the attitude of singing and praising their God. Et étant ainsi accablé par l'Esprit, il fut ravi en vision, en point main de voir les cieux s'ouvrir, et pensa voir Dieu, assis sur son trône, entouré d'un concours innombrable d'anges, qui paraissaient chanter et louer leur Dieu. And it came to pass that he saw one descending out of the midst of heaven, and he beheld that his lustre was above that of the sun at noonday. Et il arriva qu'il vit un être descendre du milieu du ciel, et il vit que son resplendissement surpassait celui du soleil à midi. And he also saw 12 others following him, and their brightness did exceed that of the stars in the firmament. Et il en vit aussi 12 autres les suivre, et leur éclat dépassait celui des étoiles du firmament. And they came down and went forth upon the face of the earth, and the first came and stood before my father, and gave unto him a book, and bade him that he should read. Et ils descendirent et s'en allèrent sur la surface de la terre, et le premier vint se tenir devant mon père, et lui donna un livre, et lui commanda de lire. And it came to pass that as he read, he was filled with the Spirit of the Lord. Et il arriva que tandis qu'il lisait, il fut rempli de l'Esprit du Seigneur. And he read, saying, Woe, woe unto Jerusalem, for I have seen thy abominations, yea, and many things did my father read concerning Jerusalem, that it should be destroyed. And the inhabitants thereof, many should perish by the sword, and many should be carried away captive into Babylon. Et il lui disant, Malheur, malheur, Jérusalem, car j'ai vu tes abominations. Oui, et il y a eu beaucoup de choses que mon père lut concernant Jérusalem, qu'elle serait détruite ainsi que ses habitants. Beaucoup périraient par l'épée, et beaucoup seraient emmenés captifs à Babylone. And it came to pass that when my father had read and seen many great and marvelous things, he did exclaim many things unto the Lord, such as, Great and marvelous are thy works, O Lord God Almighty. Thy throne is high in the heavens, and thy power and goodness and mercy are all over the inhabitants of the earth. And because thou art merciful, thou wilt not suffer those who come unto thee that they shall perish. Et il arriva que lorsque mon père eut lu et vu beaucoup de choses grandes et merveilleuses, il dit en s'exclamant beaucoup de choses au Seigneur, telles que « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ton trône est haut dans les cieux, et ta puissance et ta bonté et ta miséricorde sont sur tous les habitants de la terre. Et parce que tu es miséricordieux, tu ne souffriras pas que ceux qui viennent à toi périssent. » And after this manner was the language of my father and the praising of his God, for his soul did rejoice, and his whole heart was filled, because of the things which he had seen, yea, which the Lord had shown unto him. Et c'est dans ce genre de langage que mon père loua son Dieu, car son âme se réjouissait en son cœur tout entier était rempli à cause des choses qu'il avait vues, oui, de ce que le Seigneur lui avait montré. And now I, Nephi, do not make a full account of the things which my father hath written. For he hath written many things which he saw in visions and dreams, and he also hath written many things which he prophesied and spake unto his children, of which I shall not make a full account. Et maintenant, moi, Nephi, je ne fais pas un récit complet de choses que mon père a écrites, car il a écrit beaucoup de choses qu'il a vues dans des visions et dans des songes, et il a aussi écrit beaucoup de choses qu'il a prophétisées et dites à ses enfants, dont je ne ferai pas le récit complet. But I shall make an account of my proceedings in my days. Behold, I make an abridgment of the records of my father, upon plates which I have made with mine own hands. Wherefore, after I have abridged the record of my father, then will I make an account of my own life.
Mais je vais faire le récit des actes de ma vie. Voici, je fais l'abrégé des annales de mon père sur des plaques que j'ai faites de mes propres mains. C'est pourquoi, lorsque j'aurai abrégé les annales de mon père, je ferai le récit de ma vie. Therefore, I would that ye should know that after the Lord had shown so many marvelous things unto my father Lehi, yea, concerning the destruction of Jerusalem, behold, he went forth among the people, and began to prophesy and to declare unto them concerning the things which he had both seen and heard. C'est pourquoi je voudrais que vous sachiez que lorsque le Seigneur eut montré tant de choses merveilleuses à mon père, Lehi, lui concernant la destruction de Jérusalem, voici mon père s'en alla parmi le peuple et commença à prophétiser et lui annoncer les choses qu'il avait vues et entendues. And it came to pass that the Jews did mock him because of the things which he testified of them. For he truly testified of their wickedness and their abominations, and he testified that the things which he saw and heard, and also the things which he read in the book, manifested plainly of the coming of a Messiah, and also the redemption of the world. Et il arriva que les Juifs se moquèrent de lui à cause de choses dont il témoignait à leur sujet, car il témoignait vraiment de leur méchanceté et de leurs abominations. Et il témoignait que les choses qu'il avait vues et entendues, et aussi les choses qu'il avait lues dans le livre, annonçaient clairement la venue d'un Messie, et aussi la rédemption du monde. And when the Jews heard these things, they were angry with him, yea, even as with the prophets of old, whom they had cast out, and stoned, and slain. And they also sought his life, that they might take it away. But behold, I, Nephi, will show unto you that the tender mercies of the Lord are over all those whom he hath chosen, because of their faith, to make them mighty even unto the power of deliverance. Et lorsque les Juifs entendirent ces choses, ils furent en colère contre lui. Oui, tout comme ils l'avaient été contre les prophètes d'autrefois, qu'ils avaient chassés, et lapidés, et tués. Ils les attendaient aussi à sa vie, afin de la lui ôter. Mais voici, moi, Nephi, je vais vous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tout ce qu'il a choisi à cause de leur foi, pour les rendre puissants à point même d'avoir le pouvoir de délivrance.